C'est la sixième intervention sur un nid de frelons cet automne. C'est le frelon asiatique. Alors, le centre de recherche agronomique de Jean Blou, le centre wallon de recherche agronomique, a été chargé par le ministre de l'Agriculture d'intervenir justement sur les premiers nids de frelons qui seraient découverts sur le territoire wallon. C'est un frelon asiatique. Il a été introduit accidentellement dans le sud de la France, du côté de Bordeaux. Et ça date d'il y a une petite quinzaine d'années. Et d'année en année, on a vu ce frelon étendre sa distribution géographique d'à peu près 80-100 km d'avancée comme ça par an. Et donc, en une quinzaine d'années, le voilà chez nous. Il est aussi en Italie, il est dans le nord de l'Espagne, il est au Portugal. Et il va probablement gagner la grande majorité du territoire européen. Ce qu'on a fait ici, c'est d'injecter de la poudre insecticide dans le nid grâce à une perche télescopique. Alors on a besoin de cette perche télescopique parce que les frelons asiatiques font parfois leur nid vraiment très haut dans les arbres. Donc le matériel habituel ne permet pas de le faire. On injecte de la poudre insecticide. C'est la même poudre que celle que les pompiers utilisent pour les nids de guêpes. Donc tout ça est parfaitement réglementaire. C'est un produit qui agit vite. Et qui agit, du fait que c'est sous forme poudreuse, même sur les frelons qui ne sont pas au nid au moment du traitement. Ces frelons-là reviennent, ils ne sont pas repoussés par le produit, ils vont patauger dedans et ils finissent par s'intoxiquer. Donc ça permet d'avoir une neutralisation complète. Ce qu'on cherche, ce n'est pas seulement de détruire le nid, c'est d'empêcher les fondatrices, les jeunes femelles fécondées, de quitter ce nid et d'aller faire d'autres nids au printemps prochain. À votre avis, à quelle distance du nid est-ce qu'on se trouve? Il faut juste lever un tout petit cran pour que je puisse l'incorporer. Encore un tout petit peu. Voilà, je la descends. Voilà, nickel. Ça ne bouge pas. Ouais. Voilà, je ne vois pas ce que. Ça va. Alors, j'ouvre le robinet bleu. Hop, et le rouge. Méfiez-vous quand même de ne pas vous faire piquer. Voilà, très bien. Et puis le bleu maintenant. Aussi qui apporte. Voilà. Voilà, là ça sort. Voilà, vas-y. Bleu maintenant. Ok, je fais. Parfait.
d'accès. J'ai mis noir tout le temps, oui. J'ai jamais fait attention. Mais il faudrait plus tombent, de feuilles, voilà, à ce moment-là. Ce jour-ci, on va avoir des appels, on le sait bien. C'est le premier.